Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous, on se rebelle. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense ? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chefs d'État, banquiers, popstars. On connaît leurs points faibles. Dante, c'est bien toi. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Bah, pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans. Ça m'a effacé la mémoire. Moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture. À l'âge de 7 ans. Et alors? La méningite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste? Je m'appelle Vergil. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence? Une différence? Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux? Que je combatte les démons et que je sauve le monde? Tu comptais faire autre chose de ta vie? Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité? Oui. Mais j'en ai rien à carrer. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi? Qui tu es vraiment.
C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Tu fais quoi ? Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles, que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre. Ça sent pas la rose. C'est quoi ce truc ? Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuil desséchées et poils de loup. Sympa. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens ? On te ramènera. Mais sois prudent. Ce n'est pas sans danger. J'aime bien le danger. Tu penses que ça va marcher ? Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Souviens-toi comme tu étais au début. Alors c'était chez moi. Bon, voyons ces secrets. Je me souviens de cet endroit. Et t'es qui, toi ?
Sparda? Fils de Sparda. Mon père? Génial. À qui le tour ? Coriace ! Tu veux me montrer. Yes! Moins coriace là. Qui est là? Oh! Thank you.
40? J'ai bien entendu? Moi, je m'en souviens. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance. Je suis où ? Je suis dans un rêve ? Dégage! Viens par ici! Yeah.
maintenant? J'ai délibéré. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autre en réserve ?